J'étais du type futur. Moi, le type futur, c'est celui qui va faire une liste de to-do. Vous savez, les grosses listes de to-do, là, je vais faire une liste de to-do et à tous les jours, je vais refaire la liste de to-do, mais la liste ne sera pas terminée. Le genre de type futur, c'est quelqu'un qui est en congé, il n'est pas capable de s'arrêter. Exemple, j'avais un chalet à ce moment-là et j'arrivais au chalet et là, je pensais à mon gazon, je pensais à mes plates-bandes, je regardais le chalet, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme extension, repeinturer. J'étais toujours en train de prendre le présent et de dire, oh oui, je vais faire ça et je vais faire ça. Et la réalité, c'est que j'avais pas beaucoup de résultats parce que, au lieu d'être présent et me manifester dans ma connexion, ce qui se passait, j'étais toujours en train de pelleter dans le futur. Et là, je disais à ma femme, tu vas voir chérie, ça va marcher chérie, tu vas voir, ça va décoller chérie, tu vas voir, les affaires vont fonctionner. La réalité, c'est que j'avais zéro succès. Mes affaires ne fonctionnaient pas parce que à chaque moment présent, au lieu d'ancrer avec la maîtrise, j'étais constamment dans la connaissance, en train de repousser dans le futur. Et pourtant, j'y croyais. Pourtant, je me disais, tu vas voir chérie, j'y croyais fortement. Sauf que le lendemain, j'avais toujours le même pattern, tu vas voir chérie, tu vas voir chérie. Et je repoussais, je repoussais, je repoussais, je repoussais.